you À vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec aujourd'hui un sujet comment parler à mes enfants de la séparation d'avec le père de ma fille ou de mon fils pour permettre à votre enfant d'être moins perturbé par cette rupture cette séparation que vous même êtes en train de vivre. Alors je suis Florence Cohen, auteure du livre Divorcé après 40 ans, le guide de la prérupture amoureuse, dans lequel vous allez notamment retrouver des conseils, des astuces, des exercices pour apprendre à vous détendre, mais aussi pour apprendre à échanger avec votre enfant pour qu'il ne perçoive pas la rupture comme quelque chose de définitif. Donc n'hésitez pas à vous référer au livre aussi, c'est aussi une piste. Je suis sophrologue, psychanalyste, expérimentatrice de vie. Je suis restée mariée 30 ans, j'ai divorcé il y a 9 ans. Et c'est sur ce chemin bien compliqué, euh, toute seule, euh, que j'ai découvert... Au fur et à mesure du temps, bien sûr accompagné de mon psychanalyste de l'époque, Roland Meyer, qu'il n'y avait rien pour les femmes qui se séparent à partir de 40 ans, que c'est le vide, l'abysse, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas vers qui se tourner, on souffre, on a mal, et c'est très compliqué. Et ce lien avec nos enfants, il va être aussi perturbé qu'ils soient petits, adolescents, adultes, c'est un univers, c'est leur univers qui s'effondre. Ils manquent de repères ou ils perdent des repères qui, malgré tout, même si le couple était en difficulté ou bien si dans le couple, euh, ça n'allait pas euh, forcément, eh bien, ils avaient quand même leur repère. Même si un couple dysfonctionne, eh bien, c'est un repère pour tout le monde. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous répondre avec ce que j'observe, avec aussi ce que des clientes euh, vivent avec leurs enfants, et puis euh, me disent euh, voilà ce qu'elles traversent, et puis comment on parvient plus ou moins à rééquilibrer euh, les émotions des enfants. Euh, C'est déjà une phase qui très compliqué pour tout le monde. Il faut savoir que quand on divorce, euh, on a tellement la tête qui est confuse, les émotions confuses, c'est confus également dans notre corps qu'on a du mal à percevoir ce que les enfants ressentent. On aimerait qu'ils aillent bien, donc on va se dire qu'ils vont bien parce qu'on les voit calmes, sans réaction, donc on se dit, ben... C'est bien, ils traversent la rupture, la séparation sans trop de heurts visibles, mais pour eux, à l'intérieur, c'est une dévastation. C'est quelque chose qui s'effondre et ils vont parfois le manifester aussi bizarrement. Ça veut dire quoi Tout simplement bizarrement. Vous vous séparez, vous changez de foyer. Donc, vous vous rendez compte que finalement, vos enfants... Ben, ne sont pas mécontents, tout se déroule bien. Et puis, les nuits vont commencer à être perturbées. L'enfant ne va pas vouloir aller systématiquement au lit. Ou bien, il va aller au lit et puis va se lever toutes les 10 minutes en vous disant qu'il a envie d'aller aux toilettes. Ou bien, il va se réveiller pendant la nuit en vous disant qu'il a peur des cauchemars. Ou bien il va se réveiller pendant la nuit et puis se mettre à jouer avec un jouet euh, en plein milieu de la nuit. Alors, c'est un traumatisme pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en apparence, on pense que tout va bien. Et puis, dans le fond, ça ne va pas. Et c'est normal. Comme vous, vous êtes touché vous êtes en souffrance par rapport à cette séparation, eh bien sachez que votre enfant ressent également votre propre souffrance. Alors vous allez avoir plusieurs façons de faire, plusieurs façons d'être aussi qui peuvent vous aider et vous et vos enfants. La première, peut-être, eh bien, vous rendre compte que... Si vous déménagez, changez d'endroit, donc qu'ils ne sont plus dans l'endroit familier dans lequel ils étaient avec leur père, vous, eh bien vous allez voir que si c'est compliqué pour eux, ils sont petits, ils vont peut-être vouloir venir dormir avec vous. Ne dites pas non, mais j'ai envie de dire, voilà, il ne faut pas que ça dure. Ça, c'est peut-être dans les premiers jours. Ensuite, comment faire parler un enfant par rapport à ce qu'il ressent? Il y a plusieurs façons de faire. C'est de leur permettre d'exprimer comment ils se sentent. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, oui, mais c'est pas ceci, oui, mais c'est pas cela. C'est juste en fait du temps qu'il faut prendre avec, mes, avec vos enfants et j'ai envie de vous dire ce temps il est à prendre le soir pourquoi parce qu'en fait les enfants tout comme les adultes vont avoir du mal à s'endormir parce que le soir en fait on baisse en intensité c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins agité parce qu'il n'y a plus rien à faire à part ben pour les enfants prendre leur douche manger aller se coucher et le soir, ça devient, en fait, l'heure du coucher devient une source d'angoisse, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. D'ailleurs, vous allez aussi, vous, vous rendre compte ou peut-être que vous avez, depuis des années, un sommeil qui est agité, qui n'est pas bon, parce que, eh bien, le soir, arrivent les peurs, arrivent les angoisses, et puis qu'on a du mal à s'endormir, parce qu'on a peur de s'endormir. Donc, eh bien, peut-être avant de manger, ce qui pourrait être bien, vous pouvez euh, créer des rituels. Déjà, créer des rituels pour des enfants qui sont petits, ça va être des repères. Donc, du moment où ils vont avoir, vous allez créer de nouveaux repères pour eux, ils vont se sentir rassurés. Donc, ce rituel, par exemple, vous pouvez le faire euh, après la douche. Comme ça, ben, si vos enfants sont en âge de prendre la douche, Seul ou s'ils rechignent et aller à la douche, eh bien vous allez pouvoir leur dire Allez, après la douche, on va, on va jouer au jeu du. Euh, et puis vous baptisez votre jeu. Et en fait, vous allez voir qu'ils vont aller à la douche plus facilement. Puis vous allez faire votre rituel qu'on va élaborer ensemble maintenant. Et puis ensuite, eh bien vous allez dîner ensemble. Et puis pourquoi pas leur raconter une histoire Ou bien au moment d'aller se coucher, juste leur demander. Tiens, dans le jeu de ce soir, c'est quoi que tu as aimé le plus Comme ça, l'enfant va amener déjà aussi à sa conscience quelque chose qu'il aura aimé au moment de se coucher quand il est allongé dans son lit. Donc ce rituel, quel est-il vous, vous allez pouvoir le faire sous différentes formes. Vous pouvez le faire dans une forme orale, c'est-à-dire que tout le monde se réunit autour de la table. Et puis, euh, par exemple, c'est euh, pour la première fois la maman qui va dire, qui va demander à son enfant comment il a vécu sa journée. Et là, laissez votre enfant euh, dire ce qu'il a vécu, comment il a vécu. Et puis lui demander qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était pas bien pour lui. Parce que les enfants, il faut savoir qu'avant l'âge de 6 ans, ils ne refoulent pas ce qui est difficile pour eux. Donc ils se le prennent de plein fouet. Donc quelque part, vous allez voir que souvent avec leurs mots, ils vont avoir une façon de dire que telle personne a été méchante avec eux, euh, ou bien que la maîtresse les a punis, qu'ils se sentent euh, dans une forme d'injustice avec leurs mots. Laissez-les dire ce qu'ils ont à dire, surtout sans les interrompre, sans vouloir changer quoi que ce soit. Ça va être leur façon à eux d'exprimer ce qui n'a pas été. Mais je peux vous dire que quand un enfant exprime ce qui ne va pas, il décharge au niveau émotionnel. Ensuite, demandez-lui, pareil, et dans ta journée, qu'est-ce qui a été bien Qu'est-ce qui t'a amusé Qu'est-ce qui t'a mis en joie Et là, pareil, votre enfant, avec ces mots, va vous dire... Qu'est-ce qu'il a mis en joie? Pareil, ne l'interrompez pas, ne cherchez pas à comprendre, ne lui posez pas des questions pour qu'il détourne ses réponses. Laissez-le exprimer à son tour ce qu'il a mis en joie. Ensuite, ça va être à vous de faire aussi l'exercice. C'est-à-dire que ben, vous pouvez demander à vos enfants de vous poser des questions ou de vous poser ces questions. Ben, maman, euh, Qu'est-ce qui a été dur pour toi aujourd'hui? Et à vous de répondre. Ah, aujourd'hui, ma journée, eh bien, elle a été un peu difficile parce que, ben, votre père me manque. Ça peut être ça aussi. Si vous sentez que leur père vous manque, le leur dire. Oui, on s'est séparés parce qu'on ne s'aimait plus, mais j'ai des moments dans la journée où c'est difficile. Et de cette façon, votre enfant, de jour en jour, va se permettre aussi d'exprimer qu'il est triste parce que son père lui manque. Vous ne pas relever. Juste le laisser épurer ses émotions. Pareil, votre enfant va vous demander qu'est-ce qui vous a mis en joie. Et là, surtout, ne dites pas rien. Essayez de trouver pour vous un moment qui aura été positif. Je sais pas, ça peut être tout simplement le café que vous avez pris à la pause du matin, en échangeant avec une collègue. Et en fait, vous allez voir que ce rituel que vous allez instaurer tous les soirs entre vous va vous permettre d'explorer déjà des facettes de vous-même que vous ne connaissiez pas. C'est-à-dire, ben, tiens, je peux trouver des choses positives dans ma vie. Va vous permettre d'exprimer à tour de rôle eh bien, ce qui rend triste un enfant, ce qui le met en colère, ce qui le rend joyeux, et vous-même aussi l'exprimer, comme ça votre enfant, ben, sent que vous aussi vous avez des émotions, et que vous aussi vous les exprimez. Vous pouvez faire ce rituel, par exemple, en dessinant, vous dire, ben, tiens, on prend une feuille de dessin, et ce soir, à la question, qu'est-ce qui nous a rendu triste, eh bien, on choisit de dessiner chacun quelque chose, et puis vous comparez vos dessins. Et qu'est-ce qui m'a rendu joyeux Exactement pareil, vous dessinez quelque chose de joyeux. Ça peut être dans la voiture, en roulant. Qu'est-ce qui vous plairait aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a plu aujourd'hui Vous pouvez le faire avec un dé. Faites votre petit rituel, vous faites tourner le dé. Tiens, deux. Alors tu dois me dire deux choses euh, qui te plaisent ou bien deux choses euh, que tu ferais euh, pour être moins triste. Devenez inventive. Créez. Les enfants ont une imagination fertile. Profitez-en. Et vous allez voir, eh bien, que votre enfant, si vous lui permettez d'exprimer ce qu'il ressent, mais si vous aussi vous vous autorisez à exprimer ce que vous ressentez, eh bien, vous allez l'apaiser. Et ensuite, au moment d'aller se coucher, Peut-être pour finir avec une note joyeuse pour ne pas qu'il ait peur de sa nuit, ou bien qu'il accepte d'aller au lit, bah, tout simplement lui demander. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce petit rituel là qu'on a fait où, Enfin, vous aurez trouvé un nom original pour vous et pour eux. Après, vous pourrez également changer de nom. C'est quoi qui t'a le plus plu Surtout, ne demandez pas ce qui les rende tristes, en colère ou, de quoi ils ont peur au moment du coucher. Non. Forcez-les à trouver ce qu'ils ont aimé. Et en fait, comme ça, chaque jour, si vous faites ça, même pour vous, au moment du coucher, eh bien, vous allez voir que l'esprit aussi va se conditionner à être plus positif que plus négatif. Et donc, même pour vous, ce sera un soulagement aussi de sentir que, eh bien, vos enfants, peuvent exprimer ce qu'ils ressentent vis-à-vis -vis de cette séparation. Même s'ils sont petits, ils peuvent le dessiner, ils peuvent le mimer, jouer aussi avec les mimes, mais créer ce rituel là avec eux et sans grandement me tromper, vous aurez des résultats plus que satisfaisants. Voilà. Sur ce, je vais eh bien vous souhaiter le meilleur pour vous pour vos enfants et puis euh, de continuer d'apprendre à vivre euh, tout simplement après un divorce.